Là, on n'est pas prêt de faire une démonstration à tout le monde là. Vas-y mon pote. Ouais. Putain, il va me rentrer dedans. La vérité, la patrouille de France, elle fait pas ça aussi proche. Hein. La vérité, c'est pas aussi proche. Oh. J'ai augmenté forcément les graphismes. Mais je vais vous montrer, regardez. Est-ce que si je fais échappe, parfait. J'ai une nouvelle carte graphique, du coup GTX 2060 Super Dual 8Go. Je connais par cœur presque le truc, c'est incroyable. Donc voilà, plein écran. Et donc voilà, qualité globale personnalisée. Mais du coup, je suis parti sur le paramètre haut. Et tout ce que j'ai retouché en réalité, c'est ici. Le reste de la végétation, je suis passé de haute à intermédiaire, donc juste en dessous. Parce que pour moi, ça sert à rien. Le reste, j'ai laissé en haut, comme c'était et tout. L'effet des vagues, j'ai mis intermédiaire. Parce que j'ai fait des comparatifs et les vagues entre intermédiaire et haut. Il n'y a aucune différence. Donc c'est parti pour visiter un petit peu l'Afrique du Sud. Je dirais même le sud de l'Afrique du Sud hein, en réalité. Hein. Pas abuser des bonnes choses. Donc là on a la météo en temps réel. Mais évidemment il fait jour alors que dans la vraie vie là il fait nuit bien sûr. Mais c'est pour qu'on puisse voir quelque chose. Allez c'est parti les amis. J'enlève les freins et on va pousser le moteur. Pour un décollage imminent. Direction sud. C'est parti. Oh regardez, il y a un avion juste au-dessus de moi. Excusez-moi, j'ai trouvé ça stylé, c'est énorme. Oh là là, excusez-moi. C'est stylé. Ok, je suis en train de décoller. Bienvenue en Afrique du Sud. Ah ouais, il y a des montagnes de ouf. Donc je connais pas. Hein. Bye, demain j'ai cours. Salut Ratchik, merci d'être passé. Alors, poursuivez votre sortie zone côte côté est. Ok, si tu veux. Parce que là je suis direction sud-est là, donc je vais un petit peu tourner. Voilà. Comme ça je respecte mon protocole et comme ça on va être au niveau de l'océan. Ah c'est beau, regardez, ça y est, je suis content. Là vraiment je suis tellement refait de pouvoir vous proposer ça. T'es à l'ouest? Non pas du tout, là je suis en train d'aller à l'est. Alors, je vais te rejoindre en vol, vas-y. Vas-y! Avec son gros avion. C'est beau. Le mot interdit utilisé. Ah merde! C'est combien de temps que je dois pas dire ce que tu m'as dit de dire? T'en penses quoi du paysage avec ta nouvelle carte graphique? Tu veux me faire dire le mot. Bah les 5 minutes ils sont passées là, je peux le dire non? Bah écoute, je trouve que c'est vraiment sympathique, hein, mon ami. Oh Esteban! Garde ça dans ta tête, il y a des éléphants en Afrique, garde ça dans ta tête. Tout à l'heure, on ira voir des animaux. Grâce à Tortue CH, il nous a donné, donc un youtubeur qui fait du flight simulator, je vous ai dit que j'aimerais faire avec lui des balades en avion et tout, et des vidéos et des lives. Et trop cool, abonnez-vous à sa chaîne, je refais sa promo les gars, Tortue CH. Il a montré comment trouver les animaux sur le simulateur et tout. Donc c'est trop bien, on ira voir des animaux. Oh regardez, il est en train de faire le con. Eh, il m'a fait dévier ma trajectoire. C'est trop bien fait. Après, il y a les masses d'air, il y a le vent, etc. Bien sûr, qui est réaliste. Oh, c'est trop stylé, regardez-le. Salut Oisy! Salut Oisy! Forcément, Oisy, il écrit plus dans le chat. Hein. On sait forcément qu'il est là, juste à côté. C'est génial. Va voir Nancy aussi. Bah écoutez, les gars, on va pouvoir se faire plaisir. On va pouvoir aller là où vous voulez, frérot. Après, le problème, voilà, c'est que c'est tellement réaliste que forcément, ça prend du temps d'aller d'un endroit. Enfin, voilà, qu'on peut pas tout faire d'un coup. C'est normal. Regardez-le, je suis en train de le guetter. Eh, j'ai dit, du coup, je fais une figure ou pas? Parce que je voulais faire une figure. Alors, est-ce qu'avec cet avion, c'est possible? C'est ce qu'on va voir. Je vais vous faire un tonneau dans 3, 2, 1, Zebardi. Ah oui! Oh bah, easy peasy! Oh bah, les gars, mais c'est un jouet. Tonneau inverse. 3, 2, 1. Putain, et je vous jure, moi, je n'y crois rien. Je sais pas comment ça rend en stream. Allez, maintenant, je vais voler à l'envers. 3, 2, 1, parce que ça va être facile en vrai. Ok c'est bon, j'y suis. Voilà putain, je suis en train de tenir le manche de ouf. Fais des tonneaux autour de moi comme la patrouille de France, tu sais genre. On va voir s'il y a... Oh, ok. Alors c'était pas exactement ça que j'avais demandé. Ok c'est bon, il se rapproche. Ça y est, il commence. Oh là. Oh là là, c'est pas encore au point là. Là on n'est pas prêt de faire une démonstration à tout le monde là. Vas-y mon pote. Ouais. Il va me rentrer dedans. La vérité, la patrouille de France, elle fait pas ça aussi proche. Hein. La vérité, c'est pas aussi proche. Oh oui. Oh, il va se planter. Hein. Et je vous jure, il va se planter. On est assez haut pour qu'il se plante pas, mais quand même. Oh, là, il y avait un truc. Là, il y avait vraiment un truc. Attends, je baisse encore ma vitesse. Oh, c'est beau. C'est vraiment sympa. Le mot interdit, tu déconnes.
Ok, sans faire exprès, je l'ai prononcé, j'ai perdu. Allez, salut. Et je tente un tonneau. Ça marche pas. Un tonneau, je voulais dire un looping. Oh, je décroche. Au secours, au secours. C'est bon. Hop. Arrête-toi. Ah. Je crois. Ok. Bon, les gars, j'ai fait planter le jeu. Ah bah voilà, c'est bon. Donc voilà, là il y a tous les animaux. On a des oies, des mouettes, des grizzlies, des éléphants, des girafes, des ours noirs, des flamands, des mouettes, des flamands, des oies. Ah putain, c'est bon. Juste en dessous de nous. Oh regardez. Attendez, je mets pause. Donc c'est arrêt sur image. Regardez le givre, c'est génial. Les gars, c'est un simulateur de qualité, putain. Oh merde, mais je suis en train de... On voit plus rien. Oh là, les éléphants, ils sont là. Ils sont juste en dessous. Oh, regardez, ils sont là. Venez, on les rase. C'est vraiment beau, hein. Fonce dedans. Ça marchera pas, c'est du papier peint. Oh là. Je vais m'écraser, donc... J'ai sorti les roues au cas où. On va reprendre de l'altitude. Enfin, on va repartir, vous inquiétez pas. Je vais y arriver. Rentre dans un, mais vous êtes des sadiques. On va atterrir, les gars. On va faire ça encore mieux. On va atterrir. Le pire atterrissage, c'est maintenant, mais on va voir les éléphants de près. Trop fort. Oh putain. Ça y est. Ça y est, les gars. Ah ouais, et c'est trop stylé, par contre, le givre. Vraiment. Hein. Et voilà, les éléphants qui sont à côté de la route. Ça existe, ça, dans la vraie vie? Salut, les éléphants. Pouette, pouette, pouette. Attends, il faut toujours regarder à droite et à gauche. Salut les frérots, alors monsieur l'éléphant, vous marchez dans le vide là, hein. Là monsieur, vous faites du moonwalk. Eh, hey, ils sont bien faits en vrai, hein. Et là je suis pas en qualité à fond, hein. C'est bien fait, hein. Regardez son œil et tout. J'ai l'impression d'être au zoo de la Palmyre. Honte à tous les zoos d'ailleurs. Ça n'a aucun sens, hein, ce qui se passe sur ce live. Bonjour, et venez, on marche ensemble. Oh regardez ça, c'est une belle miniature ça, hein. Ça c'est une belle miniature, hein, si vous voulez mon avis, hein. Ça pète. Hein. Oh, regardez une voiture volante. C'est retour vers le futur. On va aller là, c'est sympa. C'est vraiment beau. Alors c'est où les flamands? Oh, je descends piqué, j'en ai rien à foutre. Oh, j'aurais dû prendre le icon pour aller sur l'eau en vrai, je suis bête. Mais oui, ils sont là juste en dessous. Et regardez, hop, ils sont là. Bam. Oh, on va les charcuter. Regardez les flamands, ça y est, on les charcute. T'imagines là, elle se termine dans le pare-brise. Regardez les flamands, en vrai c'est pas ouf les flamands. Non mais là, il faut que j'enlève ma cam, hein, les gars. C'est du gâchis là, sinon regardez, c'est beau. Regardez les belles girafes avec leur longue tête. Oh là là. Stylé. Eh, hey, elles sont grandes, hein. On n'a pas la notion de la hauteur en étant en avion, mais quand tu vois la taille des arbres, on est dans la savane, hein. Direction le mont Fuji. Donc on décolle de l'aéroport de Gotemba. Je sais pas si ça se dit comme ça, je dirais plutôt Gotemba. Ah, la piste 20. En tout cas, j'aime trop le fait d'avoir compris ben, le nom des pistes, comment ça fonctionne. J'annonce. C'est parti. T'inquiète, tu le vois de loin. Ah bah oui, en effet. Il est juste là, à droite. En effet, carrément. Allez, c'est parti. Je suis dans le vert au niveau de la vitesse dès maintenant. Cette piste est très stylée, hein. Oh, il y a un avion qui vient en face. Ah, salut. Alors, ce qui vient de se passer est légendaire. Oh, c'est beau. Attends, désolé, mais c'est trop beau. Stylé. Bon, nous, on va à droite. Bon, enfin, voilà. On aura vu le mont Fuji. Mais je préfère l'endroit où on était avec les flamands, quoi. Bon, voilà. Les amis, on va s'en arrêter là pour le live Flight Simulator, en tout cas. Ah ouais, il y a des habitations et tout ici. Attends, on se croirait sur Far Cry 4. Regardez, c'est Far Cry 4.